Une ex-stripteaseuse a mis en vente le pantalon porté par le prince Harry il y a 10 ans à Las Vegas. À l'époque, le prince Harry passait des soirées endiablées qui faisaient la une de la presse. Carrie Reicher a aussi mis en vente la robe et le maillot porté ce jour de 2012. Carrie Reicher risque de semer la zizanie dans la famille royale britannique. L'ancienne stripteaseuse a mis en vente le pantalon que portait le prince Harry lors d'une folle soirée à Las Vegas, au Wynn Las Vegas Hotel en août 2012. Le duc de Sussex avait été photographié nu jouant de la guitare avec une queue de billard. Carrie Reicher vend le pantalon noir que lui aurait donné le prince Harry, pantalon qui remonte à l'époque du vieux Harry amusant avant qu'il devienne ennuyeux. Un changement que déplore la Britannique de 43 ans, qui vend aussi le bikini et la robe qu'elle portait ce jour-là, ce qui pourrait lui rapporter plus de 900 euros. Si est-il au même moment que le prince Harry avait été photographié nu enlaçant une femme. Des clichés qui avaient fait le tour du monde et la une du tabloïd The Sun. Son représentant a déclaré, Harry est devenu si ennuyeux, si est-il dommage. Quand il faisait la fête à Vegas, tout le monde adorait son sens de l'humour et la personne qu'il était. Au moins, ce pantalon est un souvenir de ce qu'il était. Quand Harry était un prince fun. Pas sûr que Meghan Markle approuve. Le prince Harry crée la polémique avant d'être un père de famille et mari rangé. Le prince Harry a eu une vie mouvementée. Autre épisode marquant, en 2005, Harry a 21 ans et sort souvent faire la fête. Mais lors d'une soirée, le prince Harry choisit d'enfiler un déguisement. Pas n'importe lequel. Il s'agit d'un costume militaire au brassard nazi. Sans surprise, les paparazzi étaient là pour le photographier ivre, dans la rue et surtout portant ce costume qui dès le lendemain agitait la couronne. Des épisodes que la famille royale britannique n'oubliera pas.